Les amis, aujourd'hui nous sommes le lundi 24 juillet, c'est notre premier lever sous la toile de tente. Il fait un petit peu frais ce matin, mais bon, avec une veste ça va. Par contre, il fait très très beau. Donc voilà, donc là le lait vient de chauffer, donc on va prendre le petit déjeuner tranquillement et puis après ben, il va falloir tout ranger et démonter la toile de tente pour pouvoir aller dans la ville de Braga pour faire la visite de la cathédrale. Et puis après, ben, on prendra la route pour aller à Braga, au Portugal. Voilà. Allez, on se dit à bientôt. Là, on va aller chercher du gasoil au Carrefour avant d'aller dans le centre-ville pour la visite de la cathédrale de Léon. Je me suis trompée tout à l'heure dans le premier commentaire de la matinée. L'entrée du parking. Ah ben voilà, c'est parti. Allez, bah on va aller se garer et on se retrouve tout de suite après. Vous êtes déjà fatigué? Ah bon, vous me faites peur, hein, parce qu'autrement on commence les vacances, si vous êtes déjà fatigué, ça va pas. Hein. Je repose les jambes parce qu'après... Après quoi? Ben, on va marcher. Bah, pas beaucoup, hein. Attends, ça... En fait, on marche un peu. On arrive là, au niveau de la Plaza Mayor. Qu'est-ce que vous en pensez?
mieux. Il est mieux. Ça casse pas trois pattes à un canard. Non, genre Salamanque, la Plaza Mayor, je pense que c'est la plus belle d'Espagne. Enfin, pour moi, c'est la plus belle. Après, c'est une Plaza Mayor. Voilà, et je pense que ça, par contre, Jérôme Navas, c'est de la mairie. Si je lis bien. Ayuntamiento, je crois que c'est mairie. Ouais, ça se peut, hein. Non, je crois. Donc voilà, bon, c'est propre, c'est voilà. On va aller casser la croûte là maintenant, parce que on commence à avoir un peu faim hein, depuis ce matin. Hein. Bon, et ben vous savez quoi? On va se faire un KFC. Yeah. KFC, so good. Pas de bol, hein, on mangera pas à KFC. Hein. C'est fermé, ça ouvre pas avant 13h, donc comme on a faim, on va pas attendre. Puis on a la route à faire après. Hein, on a la route à faire après, donc on va aller à Carrefour. Non, on va aller au Burger King. Bah, Burger King, alors, c'est à côté c'est de parti. Carrefour. Oui, c'est à côté de Carrefour. Donc voilà. Bon, ben allez, à plus. Allez, bon appétit, les gars. Merci. Ouais. Alors, c'est comment? C'est trop bon. En général, KFC, c'est. Les frites, en tout cas, sont très très bonnes. Je les ai goûtées tout à l'heure déjà. Ouais. Bon, ben voilà, ça y est, nous avons quitté la ville de Léon. On est sur l'autoroute. Et on part bah, direction maintenant Braga au Portugal. Zamora, c'est ça, hein, c'est ouais, c'est ça. Zamora. Voilà, à plus tard. Portugal, on arrive. Si. Allez, ça y est, on y est. Hein. Ça y est, on est au Portugal. Alors, nous sommes arrivés au camping de Braga. L'après-midi a été assez mouvementé, donc nous sommes partis, il était 13h15 de Léon, donc en Espagne. On a évité l'autoroute pour arriver au Portugal, mais on a pris en fait des petites routes de montagne et ça a été très très long et très fastidieux à cause justement des virages très très nombreux. Donc on a roulé pendant plus de 5 heures, donc on en a franchement marre. Mais bon, on est arrivé à Braga, les garçons sont en train d'installer la toile de tente. Donc le camping, ben, pas évident quand on est arrivé parce que le réceptionniste ne parlait pas français, pas d'anglais. Et en plus, on a découvert qu'on ne pouvait pas payer en carte bancaire. Donc bon, il va falloir faire autrement. Donc le camping est très ombragé. Les sanitaires sont juste en bas. Là, je vais vous faire un petit tour.
Il est tout en escalier, donc les parcelles sont assez particulières. Mais bon, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc en fait, le camping est vraiment tout en escalier. Donc nous, on a choisi une parcelle où normalement on peut mettre deux tentes. Donc le sol est sablonneux. Voilà. Le bloc sanitaire se trouve juste là. Et nous avons un tout petit peu plus bas la piscine. Bon, à la vôtre les amis, yes. Pour notre première soirée au Portugal. Ah, oui. Donc on est au camping de Braga et il est presque 21h et nous prenons l'apéro. Ça a été une après-midi un petit peu galère. Oui, nul à chier. Nico. Bon, mais on est là, tout va bien, il fait beau, il fait bon. Donc on va prendre l'apéro puis après on va dîner. À plus.